Coucou mes people, c'est la Manouchka. Ben voilà, c'est mon premier vlog, enfin. Paraît que c'est la journée internationale du vin. J'ai même pas envie de continuer de courir, j'ai envie de rester là. J'ai décidé de marcher, changer de chemin pour rentrer. Sauf que j'ai plus de data, j'ai un problème, j'ai pas de data sur mon téléphone. Et je crois que je suis perdue. Bravo. C'est malin, je sais. Au pire, je vais retourner à la plage. Tic tic tic, c'est trop beau. Je sais pas où je suis mais c'est trop beau. Je sais juste que je suis à Sydney. Alors les trottoirs à Sydney, c'est quand ils veulent, hein. Ah ouais, il y en a un. Non mais sérieux, ça veut dire faut traverser. Si tu veux trottoiriser de l'autre côté, tu peux pas quoi. Pas grave. Australia! Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Je vais mourir. Oh putain. Oh là là. Je suis perdue. Je suis définitivement perdu à Wisteria Lane. Ouh. Ah. J'ai failli mourir. Alors je viens de découvrir un truc super qui peut servir à tout le monde. Google Maps fonctionne même si on n'a pas de connexion internet. En tout cas on peut voir où on se trouve sur la carte. Donc ça vient de me sauver la vie. Voilà. C'est pas une vie de dingue. Bon, sur une poubelle, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était la vue. De psychopathe. Bon ben, après le sport, il est temps de faire un peu de ménage. Donc je vais passer l'aspirateur dans la maison. Serpillière, tout ça, changer les poubelles. Comme ça, il va être 11h30. Ouais, là, il est 11h. Il est 11h05. Donc pour 11h30, il faut que tout soit nickel. Après, je pourrai commencer à bosser. C'est parti! Maison propre. Alors, je suis au centre commercial, au milieu des magasins, et je vais tranquillement prendre la poste. Parce que la poste est dans un centre commercial ici. C'est pas du tout bizarre de se filmer en marchant. Comme si j'avais l'habitude de faire ça. Et on est bientôt, hein, on décide de vlogger, on vlog, voilà. Ici, il y a Aldi, super pratique, c'est le magasin le moins cher. Donc, dès que j'ai besoin de faire des courses, je vais à Aldi, on trouve tout ce qu'on trouve ailleurs, mais en moins cher. Et parfois, pour certaines petites choses, je vais à
je vais à Coles parce que c'est sympa. Alors ça c'est la poste en Australie, c'est parti. Alors je suis à la poste et comme vous pouvez le voir, on dirait qu'on est dans un magasin normal. On vend des petites sirènes, des chocolats, des jouets, des bonbons. C'est assez drôle. Bon ben, j'ai complètement oublié de vous montrer comment ça se passe à l'intérieur du bureau de poste parce que on m'a pas donné mon colis et ça m'a énervée. En fait ils ont apparemment donné mon colis à quelqu'un d'autre parce que ici, si quelqu'un dit qu'il habite à ton adresse, ils lui donnent. Bon, en même temps c'est pratique parce qu'ils te prennent pas la tête avec les adresses et tout, mais en même temps ça fait chier Chirac. J'ai pas besoin de faire à manger, il reste du riz et du gratin de courgettes que mon chéri a fait hier. Yes, yes, yes. Bon, on arrive déjà à la fin de la journée. J'ai bien bossé cet après-midi. Et maintenant, c'est l'heure de faire des crêpes. Wow. No, 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 no